Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler du diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est et comment on le dépiste? C'est la question que je pose tout de suite au docteur Laurent Chauveau. Laurent Chauveau, bonjour. Bonjour. Alors, le diabète, c'est une maladie très sournoise puisqu'on ne sent rien. C'est une maladie qui est tout simplement exprimée par un taux de sucre dans le sang qui est bien trop haut et qui dépasse 1,26 g. Le sucre, c'est un élément capital puisqu'il va nous permettre de brûler l'énergie. Cette énergie, c'est le carburant de notre corps. Alors, son taux doit être bien régulé. Le sucre, si vous en avez dans une casserole et que vous laissez avec une certaine chaleur, vous allez le transformer en caramel, il va coller la casserole. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer dans notre corps. Vous avez le sucre qui va se coller avec des graisses, le cholestérol dont vous avez entendu parler, aux petites artères, aux petites veines, aux petits nerfs, et qui va brûler tout ça et qui va faire coller le cholestérol, qui va être un pourvoyeur d'infarctus. Alors, le problème du diabète, c'est qu'il va détruire nos petits nerfs, et en détruisant nos petits nerfs, on va pouvoir faire un infarctus qu'on ne sent pas, on va pouvoir faire des maux performants plantaires, c'est-à-dire qu'un caillou dans la chaussure, on ne va pas forcément le sentir, il va nous faire un petit trou qui va s'infecter. Le diabète, c'est la première cause d'amputation aujourd'hui en France, c'est pour ça qu'on traite, même si on ne sent rien, même s'il ne fait pas mal, c'est parce qu'il est potentiellement dangereux. C'est une cause d'accident vasculaire cérébraux, c'est une cause de cécité, hein. Il va se mettre dans les petites artères rétiniennes et c'est pour ça qu'on fait au diabète un fond d'œil très régulièrement. Donc, à traiter, à surveiller par l'hémoglobine glycosylée tous les trimestres avec votre médecin traitant, c'est très important. Voilà, le diabète à suivre de très très près.